Par les clés. Alors malheureusement, il n'y a pas écrit AMG sur les clés. Ça, c'est un petit peu dommage. Allez, on va faire un petit peu le tour et on va commencer un petit peu par cette arrière très spécifique sur cette version AMG. Alors il faut savoir que c'est la version la plus puissante des CLS puisqu'il n'y aura pas le chiffre 63 mais 53. La version 63 AMG sera réservée uniquement pour sa grande sœur, la Mercedes AMG GT4 coupée. Ce décor châtelain lui va plutôt bien. On est sur une face avant qui reprend un petit peu l'identité des Classe A et des dernières Mercedes de la gamme. On a quelques artifices qui permettent justement de donner plus de muscle finalement à cette CLS. On a un capot bosselé ici, vous le voyez, avec le reflet du château devant, c'est très très beau. On a aussi de très très belles jantes très spécifiques. On le verra après ensemble sur les jantes, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. On va continuer un petit peu sur cet avant très spécifique AMG. Alors est-ce que c'est une vraie AMG pour vous ou pas? Ici on a le petit sigle AMG avec la double barre chromée. On a le logo bien entendu Mercedes qui cache une panoplie de radars. Ensuite on a aussi cette petite caméra qui permet de voir où l'on met le pare-choc, et ça c'est vraiment très utile quand on se garde dans la ville puisque la voiture fait quand même 5 mètres de long. On est sur des phares multi-beam LED, donc c'est des phares qui sont vraiment impressionnants en termes de technologie puisqu'ils éclairent à plus de 800 mètres de loin, donc vous avez un éclairage, en fait vous transformez clairement, littéralement, la nuit en journée. Donc c'est un 6 cylindres en ligne turbo, bien entendu, mais surtout avec une transmission 4MATIC plus le plus veut dire qu'en fait on a une transmission qui est variable, c'est-à-dire que en fonction du mode de conduite que vous allez sélectionner, vous allez avoir une transmission qui sera plutôt 4 roues motrices permanentes ou bien plutôt dirigée sur une transmission propulsion à l'arrière si vous activez le mode Sport Plus. Pour Mercedes, justement, pour abaisser ce taux de CO2, cette empreinte carbone et finalement le malus, c'est d'associer à ce moteur 6 cylindres en ligne un alternodémarreur de 48 volts qui permet justement d'aider sur les bas régimes le moteur et du coup on gagne en réactivité, en puissance puisque le petit moteur, l'alternodémarreur, on verra tout à l'heure, fait 22 chevaux supplémentaires, ce qui permet au cumul d'avoir un moteur de 435 chevaux et 520 Nm de couple, donc ce qui est plutôt pas mal pour tirer la masse de 2 tonnes presque sur la balance. Clairement, vous avez compris mon opinion, moi j'aime beaucoup parce que elle est à la fois rare, exclusive, luxueuse, sportive, enfin elle cumule pas mal d'arguments qui pourraient vraiment vous séduire. Alors dans la catégorie, clairement, on est autour des 100 000 euros pour cette très belle monture, 117 000 clé en main pour mon modèle avec quelques options où je vous mettrai un petit peu en commentaire les options qu'elle a, mais elle a déjà quasiment tout pour 100 000 euros.
Et en concurrence, on a quoi? On a directement l'Audi A7, clairement, ici. Au niveau concurrence, on a aussi la BMW série 6 grand coupé ou la BMW série 8. Pareil, c'est pas facile à identifier directement ces concurrentes. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez trouvé aussi d'autres concurrentes de cette céleste 53 AMG. Alors, certains me diront pourquoi aujourd'hui Mercedes n'a pas produit la céleste 63 AMG. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. C'est clairement, Mercedes a décidé plutôt de lancer en production plutôt la grosse coupée limousine, l'AMG GT4 63 AMG, un V8 biturbo qui fait plus de 630 chevaux, je crois. Pourquoi Mercedes a sorti ce beau produit? Bah, clairement, c'était pour un petit peu prolonger la tradition hein, de la première Céleste qui est apparue en 2004. Ensuite, il y a eu l'autre version, deuxième génération de Céleste qui était aussi très belle. Et puis, il y a cette troisième génération de CLS. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu, vous, les amis, ce que vous en pensez hein, de ce modèle. Un petit peu trompé, en fait c'est pas 435 chevaux, c'est 438 chevaux. Bon, je pense que vous avez compris ma petite boutade. Voilà, donc allez, on reprend l'essai un petit peu sérieusement hein, sur cette magnifique Céleste 53 AMG. Ouais. Voilà, encore un autre aperçu de nuit. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu attendre de cette Céleste? Alors les amis, je vous fais un petit teaser, voici l'ambiance de nuit, mais là, pour vraiment voir complètement ce que propose ce CLS 53 AMG de nuit, je vous propose tout simplement de voir ma vidéo spécialement conçue pour vous de nuit, comme si vous étiez à bord de ce magnifique coupé 4 portes. Voilà. Donc là, c'était vraiment un petit teasing pour vous dire vraiment il y a des choses, des vraies surprises à l'intérieur. Je me laisse bercer un petit peu par cette voiture. J'ai désactivé l'échappement parce que c'est un échappement à clapet. Donc vous avez, on va dire, deux positions, une position ouverte et une position fermée. La position fermée vous permettra de rouler dans un confort digne d'une limousine. Ah oui, je vous ai pas encore parlé de la boîte automatique. Une boîte 9G-tronic, c'est-à-dire à 9 rapports. Qui a déjà vu dans une auto 9 rapports? Franchement, c'est excellent. Ça a aussi deux avantages, encore une fois. C'est pour le confort au quotidien, vous ne sentez pas le passage des rapports, c'est vraiment très lisse. Donc là, en termes de confort et d'insonorisation, vraiment, on est dans un coupé de luxe proche de la limousine, la classe S, vaisseau amiral de Mercedes. Autre avantage, c'est si vous transformez, comme je vais le mettre, en mode sport plus, vous avez à chaque fois une détonation à chaque passage de rapport. La boîte est super réactive. La direction, pareil, ultra réactive. La voiture est campée vraiment à la route grâce à sa transmission Formatic plus pour dire qu'en fait, c'est une transmission variable, c'est-à-dire qu'en mode confort, elle va essayer d'équilibrer la transmission, peut-être même supprimer certaines transmissions à la fois sur l'essieu avant ou l'essieu arrière. Bref, il y a une technologie très intelligente qui permet justement de garantir un gain d'efficience. Et puis, pour la partie sportive, la partie énervée, va cette fois-ci maximiser l'adhérence, les performances. Et donc, il y aura plus une tendance à une voiture plutôt typée propulsion. Voilà, donc à peu près 75% de transmission à l'arrière. Et donc, du coup, on a une voiture qui est beaucoup plus joueuse, beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est vraiment cool. Non, mais dès le matin, forcément, vous avez forcément la banane avec ce genre de voiture. Par contre, le revers de la médaille, si vous commencez un petit peu à jouer avec cette Céleste 53 AMG, c'est que, attention, pas de regret, parce que la consommation, ça monte très très haut. Voilà, 4 secondes 5 pour arriver aux 100 km/h. Sur autoroute allemande, vous allez pouvoir dépasser facilement les 250 km/h vitesse. Ce retour d'échappement, c'est vraiment une très belle mélodie. C'est une vraie surprise. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir une très belle mélodie comme ça. Vous avez entendu le retour d'échappement, c'est vraiment assez extraordinaire. Ah ouais. Il est plein dès les bas régimes, c'est un vrai bonheur ce moteur. Il est voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, 520 Nm de couple, bien sûr. Rajoutez un petit peu la technologie EQ Boost, justement avec cet alterno-démarreur, cette batterie 48 volts et ce compresseur. Ça permet d'avoir des relances disponibles dès les bas régimes et surtout ça monte jusqu'à la barre rouge. 6500 tours, voire 7000 tours, ce moteur est vraiment magique. Vraiment. Alors il y a une autre option qui est plutôt pas mal, c'est
les amortisseurs un peu plus fermes, j'appuie sur ce bouton. Alors là, il est déjà activé si je rappuie. Et là, tout de suite, j'ai vraiment les amortisseurs qui sont beaucoup plus durs, hein, vraiment pour avoir vraiment une connexion en permanence avec l'auto, pour faire vraiment corps, comme on dirait, avec le châssis de cette CLS 53MG. J'exagère un peu, mais en vrai ça change quand même assez radicalement le comportement de l'auto, hein. Comme je vous le disais à travers cet essai, on transforme clairement cette grande berline coupée, ou plutôt limousine coupée, confortable, en vraiment une vraie bête à vraiment voilà, être énervé. Alors le problème dans une Mercedes comme celle-ci, c'est qu'il y a tellement de choses à bord, aussi bien la technologie embarquée, le système d'aide à la conduite, le pack d'assistance, le pack d'éclairage d'ambiance, il y a tellement plein de choses à faire qu'honnêtement, c'est même pas une vidéo de 20 minutes que je pourrais faire sur cet essai, ça peut être une série chaque semaine où je vous fais un petit focus sur un détail, parce qu'en fait cette voiture elle est bourrée de détails, hein. C'est un petit peu l'esprit un petit peu du luxe et du premium, il n'y a que du détail partout. Alors le détail parfois vous allez me dire ça sert à rien, mais c'est ça qu'on aime, c'est cette petite attention au quotidien qu'on aime dans ce genre de voiture, hein. C'est une espèce de limousine coupée 4 portes qui peut se transformer en véritable bête, alors pas bête de circuit, hein. C'est pas une voiture de circuit, loin de là, mais clairement vous pouvez vous faire plaisir même dans des petites routes sinueuses. Franchement la voiture vraiment tient le pavé. Alors ce qui est dingue, c'est que là je suis en mode automatique, donc la voiture pilote toute seule les rapports, et je suis à 80 km/h et elle vient d'enclencher le 9e rapport. C'est quand même assez impressionnant. Là je suis à même pas 1000 tours par minute, et grâce justement à ce système d'alternodémarreur, elle vient un petit peu donner un petit coup de boost pour aider le moteur à bas régime, et ça me permet justement d'atteindre justement des consommations. Parlons consommation, parlons bien. Là, je suis parfait au niveau du score. On peut pas faire mieux. Et regardez en consommation. Attendez. Consommation 6,2 litres au 100. Voilà. Mais pour être franc avec vous, depuis que j'ai cette voiture et j'ai testé de fond en large mode de conduite Sport Plus, Eco, ce que vous voulez, depuis j'ai fait 13 litres au 100. Mais après, je me suis fait plaisir. Vraiment plaisir. Je vous disais les amis, cette voiture elle a vraiment tout d'une grande, elle a toute la technologie. Là j'ai activé la conduite semi-autonome et vous allez voir qu'elle est capable de doubler toute seule. Regardez, je vais juste activer le clignotant et elle va décider toute seule si je dois tourner ou pas. Regardez, j'ai même pas la main sur le volant et la voiture tourne toute seule, elle prend toute seule les décisions pour doubler ce joli camion de location express, U-Express. Voilà, petite publicité gratuite les amis, mais c'est juste pour vous dire que c'est assez bluffant, c'est à dire que j'ai quasiment presque rien à faire à son volant, à part remettre mes deux mains sur le volant pour justement réactiver le système. Bon, vous m'avez pas cru, regardez, j'active le clignotant, il y a le Kangoo qui m'embête un peu, regardez, je ne touche même pas le volant. Franchement, ils sont très forts chez Mercedes, et on va voir si elle est capable de se rabattre automatiquement à droite. Là, je vais réactiver mon clignotant à droite. Est-ce qu'elle est capable ou pas? Non. Bon allez, assez rigolé. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se cache sous le capot. On va voir si c'est une vraie AMG. Alors, est-ce que c'est une vraie AMG? Allez hop, on ouvre. On est quand même sur une classe CLS. Donc, deux vérins sous le capot. Le gros logo AMG, hein, vraiment pour ne pas confondre avec une autre version essence. Mais malheureusement, il n'y a pas le petit, vous savez, le petit badge avec l'ingénieur moteur qui aurait déposé son nom avec sa petite signature. Donc, finalement, c'est une AMG, mais pas une AMG comme on pourrait l'attendre. Donc oui, on a le gros logo AMG, c'est bien une AMG, une CLS 53MG, mais c'est pas l'AMG qu'on aurait pu attendre. Alors il faudra tabler directement sur la version sa grande sœur, comme je disais, AMG GT4 coupé 4 portes. Je profite de rester un petit peu sous le capot, on voit, hein, les gros renforts quand même pour vraiment renforcer le châssis. Ici, derrière les grilles, on voit aussi les renforts, les barres de renforcement sur le châssis, vous le voyez. Et on va parler de choses qui fâchent un petit peu. Alors depuis mon essai, avec tout ce qui s'est passé, j'ai presque fait 400 km et j'ai déjà fait un plein 13 litres au 100.
Eh oui, ça peut paraître pas mal, mais honnêtement, je peux vous garantir que voilà, je me suis pas amusé à tester le mode éco, d'accord? Par contre, dès que vous vraiment vous chatouillez un petit peu l'accélérateur, vous voulez entendre un petit peu la sonorité, tout de suite vous montez autour des 18 litres, voire 20 litres au 100, les amis. Eh oui, on est autour des 7,9 litres au 100, ce qui est plutôt un bon score en vrai, puisque j'ai fait de la ville, des bouchons et une utilisation sur route à peu près à 110 km/h. J'étais à peu près à 110 km/h sur voie rapide, pas plus. 7,9 litres au 100, c'est plutôt une bonne consommation. J'ai pas du tout forcé sur les accélérations. Il faut savoir qu'à chaque freinage et à chaque décélération, en fait, vous venez alimenter directement la batterie 48 volts. Un autre petit détail que vous devez connaître sur pas mal de voitures, c'est dès que vous restez appuyé longtemps, vous ouvrez principalement les vitres latérales, mais aussi le toit ouvrant. Magique, non? Pareil, inversement, si je ferme forcément les vitres et le toit ouvrant. Voilà, vous savez tout maintenant. J'aime beaucoup, c'est d'être dorloté dans cette CLS. Tout comme une classe S, on a ici les petits coussinets. Voilà. Et ça se gonfle en fait en fonction du virage et ça permet en fait d'être bien maintenu dans le siège. Encore une petite attention digne d'une limousine, digne du luxe. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors les amis, dans le monde du luxe, il y a aussi quelques petits détails puisque c'est fait que de petits détails. Et ici, vous allez voir la fermeture soft close. Voilà, en fait, il y a un ajustement qui est fait sur la carrosserie et ici, voilà, sur la partie vitrage. Voilà. Alors un autre élément de détail dans le monde du luxe, c'est bien entendu le coffre à ouverture électrique et aussi le petit soft close qui s'opère sur la malle arrière. Hop, et ça c'est plutôt magique aussi. Bienvenue dans le monde du luxe avec cette Mercedes CLS 53 AMG. Alors si on fait le tour des options ensemble, on a ce fameux système Hi-Fi Burmester. Alors il y a des enceintes un peu partout, ça procure un son 3D à l'intérieur de l'habitacle. Les enceintes sont plutôt vraiment bien intégrées, donc on est vraiment un petit peu dans le domaine du luxe, luxe premium. C'est très beau, c'est très bien intégré dans ces inserts de carbone. Donc ça c'est encore une fois, ça c'est Mercedes. C'est vraiment un univers à part, hein, vraiment. Donc alors je reviens sur cette option, 4 900 € pour profiter vraiment d'une très belle symphonie à bord de ce CLS 53 AMG. Donc soit vous avez le choix d'écouter votre playlist préférée avec vraiment un caisson de basse qui résonne dans le coffre, ou alors vous profitez de la sonorité du moteur, hein, 6 cylindres en ligne AMG, 435 chevaux. Et là je peux vous dire qu'il chante, surtout quand vous activez ce petit mode. Le petit mode d'échappement ici, encore une fois, une autre option. Alors, concernant l'intérieur, honnêtement, on a énormément de possibilités de configurer, de personnaliser finalement son tableau de bord. Ce petit paddle intégré tactile qui se gère soit de la molette, soit sur cette partie-là, ou soit ici sur le volant directement. J'aime le tactile, mais le tout tactile, franchement, il y a des limites. Et ici, Mercedes a pensé à mettre des raccourcis directement. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Je vous disais que c'était une mini classe S, regardez. On peut même avoir le massage. Sur où vous voulez, une véritable limousine, cette voiture. C'est génial. Fini vos rendez-vous avec votre kiné préféré. Ici, vous avez rendez-vous à bord de cette CLS 53 AMG avec différents programmes de massage. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a encore d'autres programmes. On a des sièges dynamiques. Voilà, je peux tout vraiment tout paramétrer de A à Z sur mon siège pour être vraiment le plus confortablement installé à bord de ce CLS. Et ça c'est plutôt magique. Mercedes vraiment est à la pointe de la technologie, du luxe, préparez-vous à le dire. Mais il y a plein d'éléments qui me fait penser vraiment, lorsque j'avais essayé la classe S 63 AMG, il y a plein d'éléments qui me font penser à cette limousine de luxe. Je vous parlais des aides à la conduite, il y en a plein. Alors malgré le fait qu'elle est en option, le pack d'assistance à la conduite plus, hein, qui vaut à peu près 2 900 €, pour 2 900 €, vous avez tout, détecteur de panneaux, caméra, frein d'urgence, bref, vous avez tout. Il y a énormément de capteurs autour de la voiture. Vous avez la caméra 360 et les autres capteurs qui permettent justement d'être connecté en permanence avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en sécurité à bord de ce CLS, je vous le garantis, c'est vraiment bluffant. La voiture peut presque conduire toute seule, conduite autonome
semi-autonome par contre de niveau 2, encore une fois, Mercedes prouve vraiment qu'ils sont à la pointe de la technologie. Un autre petit détail qui j'aime bien, c'est la petite attention apportée sur les visuels. Regardez comment c'est beau. Alors admirez, hein, toujours sur ce grand écran central, caméra de recul et aussi la vision 360. On peut prendre le petit paddle, hop. Voilà, je peux vraiment avoir une vue 360 autour de ma CLS 53 AMG. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et elle peut même se garer toute seule, ça vous le connaissez. Allez, on prend la route. Bienvenue à l'intérieur de cette CLS. On est bien dans une Mercedes, mais on est dans une Mercedes vraiment de haut standing. Voilà, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Il y a un travail qui est fait ici sur les inserts en carbone. Le petit bouton Start Engine, ces fameuses buses d'aération rétro-éclairées de nuit, c'est aussi très très beau. Je trouve que ça fait vraiment très classe, très chic. Il y a énormément de choses à dire. Ici, on est dans du luxe quasiment. On est sur du cuir sur la casquette principale avec ces fameuses surpiqûres où ils ont poussé vraiment le détail jusqu'au bout. Il y a même des surpiqûres juste devant le pare-brise. Honnêtement, c'est un sans faute. Et alors ici, on peut vraiment régler son siège, hein, d'ailleurs. Ça reprend la forme de son siège. C'est très beau, c'est très épuré, c'est très design. On peut tout régler. Vous pouvez chauffer, ventiler. Et là, je ne sais pas à quoi ça sert, cette touche. En tout cas, voilà, vous avez plein de niveaux de personnalisation, de réglage. C'est absolument dingue. Et puis, ces petits bitonios, hein, ces petits loquets qui, à la manière des anciennes voitures, hop, se ferment ou s'ouvrent. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est joliment fait, je trouve. Sur des finitions qui sont vraiment irréprochables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, c'est vraiment très, très beau. Il faudra vraiment potasser avec le souci du détail la notice d'explication, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment trifouiller à droite, à gauche dans les menus pour vraiment bien comprendre un petit peu ce que vous avez sous la main. Et admirez vraiment ces inserts en carbone. Alors, c'est une option, certes, mais c'est une option qui permet vraiment de donner un petit cachet supplémentaire à cet intérieur. C'est très beau, limite. Je pourrais arrêter de vous parler, juste de vous montrer simplement un petit peu la beauté de chaque recoin de cet intérieur. Donc ouais, très joli volant, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai vu le nouveau volant de la Mercedes classe E et la classe S, c'est vraiment encore un autre niveau. Hein. On a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Les amis, petite note de sportivité quand même, on est quand même dans une AMG. Alors, ceinture rouge, surpiqûre rouge, voilà, de quoi un petit peu rendre l'intérieur un peu plus sportif. On est à l'intérieur avec l'ami Cyril et tu vas nous donner un petit peu ton avis sur l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je trouve que le prix des options, alors c'est vrai que je suis peut-être un peu déformé par d'autres marques, mais je trouve que le prix des options n'est pas fou. Moi, j'aime beaucoup cet intérieur parce que pour le prix de la voiture, donc aux alentours de 100 000 euros, ouais, on a quand même quelque chose qui vraiment est dans le haut du premium. Juste un exemple. Fais-nous rêver. Partout où on pose ses mains, finalement, on a toujours des sensations de matériaux de qualité, que ce soit du carbone, de l'aluminium, du cuir. On n'a jamais cette sensation désagréable de toucher un matériau pas noble. Et alors par contre, j'ai pu voir ça, mais c'est pas tactile même à l'arrêt. Ouais. Ça, à l'époque, Mercedes n'était pas pour éviter les traces de doigts horribles sur l'écran. C'était fait pour parce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque parce qu'ils ont peut-être changé depuis leur fusil d'épaule, mais à l'époque, ils voulaient absolument pas avoir de traces de doigts parce que c'était indigne d'une voiture de premium, voire du luxe. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Mercedes, toutes ces nouvelles générations, là, tu vois, il y a le soleil qui tombe et l'éclairage intérieur commence à arriver et c'est franchement sublime. Regarde cette barre de LED ici. Alors, est-ce que tu ne trouves pas ça too much? Parce qu'il y en a plein qui me disent, il y en a beaucoup qui adorent, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont un petit peu... On est dans une voiture techno, technologique, il faut assumer. C'est vrai. Là, on est typiquement dans une vraie voiture de son époque. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, tu vois. C'est l'intégration des enceintes dans les portières avec l'insert carbone. Et alors, regarde le plafonnier derrière. Ah oui, franchement, joli. Ça, c'est les enceintes, hein. C'est très joli, ouais. C'est très bien intégré, je trouve. Alors, la Sono Burmeister, c'est quoi le prix? Alors, le prix, accroche-toi, 4900 euros. C'est pas fou, hein. Mais honnêtement, il n'y a pas énormément d'options, hein. Contrairement à ses concurrents où tu peux vite avoir des options et tu chiffres à 30 000. Honnêtement, ils ont rajouté des... Vraiment, il y a une option qui est vraiment absolument à avoir, c'est celle-ci. Tu vois, c'est l'échappement magique, j'adore. C'est celle qui te provoque déjà un sourire. Alors, on va pas l'activer pour pas déranger. T'appelles ça un sourire, toi? Moi, j'appelle ça... Bon, rien. D'accord.
Censurer, hein. Non mais c'est vrai qu'en vrai il n'y a pas énormément d'options pour 100 000 euros. Honnêtement, t'en as pour ton argent, hein. Pour le prix de base, ouais, de 100 000 euros qui reste quand même un prix élevé, c'est une somme. Ah oui, c'est une somme. Pour cette voiture là, mettre 10 000 euros, 15 000 euros d'options, c'est pas fou. Franchis un cap, on arrive sur le début du luxe quasiment. Quasiment, ouais. Alors, on est... Merci. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça emprunte clairement les codes de la classe S qui est quasiment aussi dessus. Ouais, tout à fait. Merci Cyril pour ton avis. Et puis toi, on te retrouve prochainement pour des essais assez fous, hein. On t'a vu en McLaren, on t'a vu en Bentley Continental GT V8. Donc toi, ça va pour toi la vie? Ouais, ça va. On va voir bientôt dans une petite voiture. Voilà. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures. Bien sûr, le petit pouce levé, les petits commentaires qui vont bien avec. Et je vous dis à très vite avec Cyril pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao. Ciao.